Hey, bonjour à toutes et à tous les planteurs, et aujourd'hui nous sommes en Guadeloupe, au jardin botanique de Vallombreuse, un jardin classé jardin remarquable d'ailleurs, avec plein d'espèces locales. Donc nous allons voir ça ensemble. Et je suis bien sûr avec Mathilde. Je vous cache pas qu'il fait quand même bien chaud, hein. En plus on arrive au début de l'été. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a des super trucs en termes... Il y a plein de familles différentes représentées. Donc il y a tout ce qui est aracées, bien sûr, qui sont super chouettes. Et ça, je pense que vous allez bien aimer. Donc en parlant d'aracées, on a bien sûr l'Alocasia macrorhiza qu'on voit relativement fréquemment. Surtout ici, hein, ça pousse un peu partout. Mais on a aussi des petits colocasia comme ça, à feuillage assez foncé, qu'on voit nettement moins souvent, je trouve, et qui sont super cool. Avec un feuillage un petit peu, on va dire, un petit peu doux, un petit peu feutré. Avec aussi derrière moi pas mal de plantes suspendues, hein. Donc on a des népentes, on a des tillandsia, on a aussi pas mal d'orchidées. Franchement, c'est vraiment très impressionnant, surtout les népentes qui sont vraiment très belles. Les orchidées ne sont pas toutes en floraison, mais je vais essayer de vous en capturer un maximum. Là, derrière moi, nous avons des superbes crotons. C'est vrai que d'habitude, on les voit plutôt en petits. Là, c'est vraiment des arbres. Et ouais, ils sont très impressionnants. Franchement, très impressionnants. La famille des euphorbiacées, d'ailleurs. C'est pas intuitif, hein. Ça se voit pas comme certaines autres euphorbes. Mais voilà, bon, ils sont relativement toxiques, hein, comme tous les membres de la famille, quasiment. Une famille de plantes aussi qui est bien représentée dans les Caraïbes, c'est les broméliacées. Et on en a une sacrée collection. C'est vrai qu'elles changent un peu des broméliacées qu'on voit en jardinerie, qui font un petit peu plastoc. Là, on a vraiment des broméliacées nature, naturelles. Elles sont superbes. Tous les fans d'Alocasia, voici mon nouveau pote. Belle Alocasia, un beau tarot. Regardez la taille de ses feuilles. Et encore, il y en a des plus grosses. Hein. Il y a notamment aussi beaucoup de plantes de la famille des Strelitzia, tout ce qui est Heliconia, etc., qui offrent justement des floraisons vachement colorées, même si j'ai... Il y a une sorte de gros canard des îles derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Mais oui,
pareil de la famille des curcumas aussi. Et ouais, franchement, ça offre pareil des floraisons assez chouettes et on n'a pas l'habitude de voir chez nous en métropole en tout cas. On peut y trouver aussi pas mal de jardins aquatiques avec pas mal d'espèces de nénuphars ou de lotus. Et ils sont en floraison, ils sont vraiment très beaux. Je vais vous capturer ça. Bien évidemment aussi beaucoup d'espèces de palmiers, dont des très très impressionnantes que j'ai jamais vues. Certaines, je n'aurais peut-être pas leur nom. Donc si jamais vous avez leur nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires avec le timecode. Parce que certains, je sais pas si je suis pas spécialiste et je sais pas si je saurais y retrouver. Mais il y en a des beaux, comme les palmiers à lèvres rouges que j'ai déjà vus. Pas mal de Washingtonia, des espèces un peu plus classiques. Mais certaines, non. À mon avis, j'aurais pas les noms, mais je vous laisse quand même en profiter. En tout cas, c'est très bien présenté, tout est assez organisé, il y a des petits secteurs un peu présentés par thème si vous voulez, et franchement c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien mis en situation, c'est assez sauvage, ça reste même plutôt hop là, même plutôt très sauvage, mais c'est cool, enfin moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce type de jardin. Désolé si j'ai la voix un peu prise, mais juste avant de partir en Guadeloupe, j'ai chopé un bon petit rhume qui part, mais ma voix doit être encore un petit peu impactée. Donc vous étonnez pas. Mais oh. Ce jardin possède aussi plusieurs exemplaires d'une espèce nommée arbre à boulet de canon, car ses fruits sont sphériques quasiment, et vous allez le voir, et sa floraison est vraiment très belle aussi. Cependant, c'est une espèce qui est menacée d'extinction, presque, enfin elle est très très protégée. Et bon, c'est pas tous les jours qu'on en verra. Et voilà les planteurs, notre petite excursion au jardin de Valombreuse s'achève. Hein, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, car ça fait plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça aussi ça fait plaisir.
Il y aura sûrement encore des vidéos en Guadeloupe, hein, car tant qu'on y est, autant faire du contenu. Et oui, on n'y va pas tous les jours. Restez connectés, planteurs, n'oubliez jamais de cultiver et de vous cultiver. Je vous dis à la prochaine, moi, je m'en fais boire un petit punch. Ciao !